Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un inventaire inspiré de Skyrim. Je tiens à préciser que ce tuto n'est pas de moi, je l'ai juste personnalisé et amélioré, si on peut dire. Je laisse le lien à disposition dans la description. Et bien, c'est parti pour cette présentation. Alors là, vous voyez, je mets dans le viseur les objets, les items. Ils se blanchissent quand ils sont dans le viseur et en même temps nous voyons un panneau info, c'est à dire E pour prendre. C'est un gros pain sec, santé ça donne 40 de santé, poids 1 kg et ça coûte 12 pièces d'or. Là pareil, hop, pareil pour tous les items qu'il y a là, hop, lexic de lumière, le pain, une tasse métallique, un bouclier. Alors, j'appuie sur E longuement, hop, je peux transporter mon objet, voilà, je le pose là par exemple, hop. Maintenant j'appuie sur E brièvement, hop, ça le prend, je vais prendre tous mes items, hop, 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 hop. Une pomme rouge, une pomme verte, une assiette, une dague, une autre tasse, une assiette, et puis voilà. Maintenant, je vais ouvrir mon inventaire. Hop. Alors, comme vous le voyez, nous avons toutes les catégories, l'arme, armure, nourriture, divers et objets de quête. Alors, quand je sélectionne tout, évidemment, il y a tous les items que j'ai pris. Le nombre d'items que j'ai dans l'inventaire est marqué sur le côté entre parenthèses. Hop. Si j'ai une petite faim, je vais dans nourriture. J'appuie sur E, comme c'est marqué, E, manger, R, jeter. Alors là, je vais en manger. Hop, je vais manger deux pains de seigle. Et puis, vu comme j'aime pas les pommes vertes, bah, je vais les jeter. Alors je vais appuyer sur R, hop, voilà, elle est tombée, et puis je vais jeter les deux autres pommes là aussi. Alors maintenant, si j'ai envie de me battre, ben, arme, hop, la dague ornée, j'appuie sur E pour m'en équiper, d'accord. Vous pouvez voir que dégâts ça donne 20 points, poids 0,6, valeur 50. Maintenant j'appuie sur E, hop, dague ornée équipée. Je peux faire pareil pour l'armure. Alors, bouclier de bois, hop, je fais le preview, c'est une arme, point d'armure 10, poids 10, valeur 50, j'appuie sur E pour m'en équiper, hop, bouclier de bois a été équipé. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a un personnage, alors, bah, c'est Hercule Minus, le marchand d'enfants, hein. Bon, un petit trèfle à Astérix, ça fait pas de mal, non, Falcon, c'est un marchand tout court, et je peux vendre mes items à ce monsieur. Alors, j'appuie sur inventaire, je vais dans tout, et par exemple l'étoile d'Azura, je vais y vendre, j'appuie sur E, hop, voilà, maintenant j'ai 180 pièces d'or, ça, les objets de quête ne peuvent être vendus, voilà, un bouclier de bois, qui coûte valeur 50, je vais lui vendre, hop, j'ai 230 pièces d'or, et ainsi de suite, ah, ça, je peux pas le vendre. Alors, nous avons changé d'environnement et on va savoir à quoi sert justement ce lexique du chaos et ce lexique de lumière. Voilà, alors là, je ramasse les bouts de pain. Hop. 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 Une pièce d'or. Hop. Voilà, c'est suffisant. Alors là, lexique de lumière, on va le prendre. Et lexique du chaos, on va le prendre aussi. Voilà. Bon, là, cette porte de pierre, ben, je vais la traverser. Comme vous le voyez, rien ne se passe. Hein. Maintenant, je m'approche de la stèle ici. J'ouvre mon inventaire. Je vais dans objet de quête. Je choisis le lexique de la lumière. J'appuie sur E. Hop, il est posé dessus. Je sors de l'inventaire. Comme vous pouvez le voir, la stèle, elle s'est mise en bleu.
Là, je vais devant celle-ci, j'ouvre l'inventaire. Hop. Je mets le lexique du chaos dessus. Hop. Je ferme mon inventaire. Et ici, ben, en fin de compte, ben, cette porte de pierre, c'était une stargate. Alors, je vais la traverser. Hop. Et on se retrouve dans un espèce de monde gelé, hein. Voilà. Enfin, le compte, j'ai fait tout ça pour me geler les couilles. Voilà. Nous voici de retour dans cette auberge bien sympathique en compagnie de Hercule Minus, le marchand d'enfants. Et je vais vous montrer un détail que vous avez sûrement pas remarqué. C'est que quand j'ouvre l'inventaire, nous avons la barre de vie qui glisse en bas, hop, comme cela. C'est bien sympa, je trouve. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous voulez que je fasse un tutoriel là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Bah oui, parce que papy aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!